Bene, oggi sono qua con l'istruttore responsabile della scuola Calix Marsiglia in Francia. Applicheremo un metodo particolare di lavoro, okay, con l'arma reale. Mi raccomando, prestare molta attenzione, non fate assolutamente questo esercizio a meno che non abbiate un insegnante professionista. Okay? Con almeno un tot di anni di esperienza sul campo, non fate a casa, non fate come gioco, non è un gioco, è pericoloso. Noi lavoriamo come scuola, okay? Per un atteggiamento mentale, un'educazione, okay? Psico e fisica che non applicano in altre scuole. Quindi non fate assolutamente questo esercizio. Ce ne veut pas quelque chose d'absolument réel. C'est un exercice qui permet de travailler sur le comportement, que ce soit physique et que ce soit mental. C'est un exercice que l'on va travailler avec des couteaux, des vrais couteaux. Donc on fait très attention. Les recommandations de Danilo, évidemment, c'est un petit peu comme dans les films, ne faites pas ça à la maison. Il faut travailler ce genre d'exercice avec un instructeur qui a au moins une année minimum de travail avec de vrais couteaux derrière lui. Hein, on ne s'improvise pas avec ce genre d'outils. On peut aller très vite, on peut s'amuser, on fera avec des couteaux simulacres. Par contre, ce type de travail, on le fait lentement, il y a du contact, donc c'est évidemment très dangereux. Et Oui. voilà, on ne va pas continuer pendant 100 ans, on va vous démontrer ça tranquillement. Encore une fois, je le répète, c'est très important parce qu'aujourd'hui, je vois souvent des commentaires, oui, mais en vrai, oui, mais en vrai, on ne ferait pas ci, on ne ferait pas ça. Ce n'est pas un exercice réel, c'est un exercice, on peut l'appeler comme un drill si vous voulez, peu importe. L'essentiel, c'est toujours pareil, on travaille sur l'aspect physique, mémoire corporelle, musculaire, vous l'appelez un peu comme vous voulez, et l'aspect aussi mental parce que justement, on va chercher du contact avec un vrai couteau. Évidemment, la moindre erreur, elle ne pardonnera pas. Voilà. Ok, bene, posizione, senta ma, allora, premiamo qua, uno, due, attacco, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, taglio, slash, via, ok, mi raccomando, usate sempre la testa, seguite con metodo, ok? Questo approccio perché è fondamentale capire che all'interno di una palestra, di un dojo, di un qualsiasi area, ok, in cui si pratica un'attività marziale, bisogna scindere le cose, che cos'è realtà e che cos'è finzione. L'attività marziale educa, ha un approccio più formativo, ok, che realistico. È fondamentale quindi scindere le due cose e ben comprendere che la realtà è una ed è una sola ed è nella strada. Quindi ricordarsi, si possono applicare con coscienza dei metodi atti a migliorare la prestazione di atteggiamento mentale o memoria muscolare, ma solo ed esclusivamente per questo. Ok? È molto complesso cercare di inserire all'interno di un concetto reale tecniche. Ricordarsi bene, le tecniche o vengono ripetute continuamente tutti i giorni per una buona parte della vostra esistenza o difficilmente potranno insidiarsi all'interno del vostro cervello. E ricordatevi che il cervello è un po' come il computer. Più tecniche inserite e più rallentate la vostra azione. Dobbiamo fare un po' come fanno nelle, diciamo, discipline sportive, come la boxe, jab, cross, montante e gancio. Quattro azioni che possono generare infinite combinazioni. Questo è un metodo. L'arte marziale che prevede 10 miliardi di tecniche ha solo come scopo quello di
creare un ottimo business e non ha altro. Ok? Bisogna fare gli esercizi pochi, ripetitivi, portarli alla nausea, ripetizione continua, analisi continua del corpo, bilanciamento, chiusura, controllo delle spalle, del mento, quello è fondamentale, come abbiamo visto anche nei nostri precedenti esercizi. Quindi mi raccomando, affidatevi a gente competente, a maestri che sono realmente dei seri professionisti e non a persone che si improvvisano. Ok? È importante. Grazie ancora ragazzi e vi aspettiamo nelle nostre scuole Calix in tutta Italia e fuori dall'Italia con gente competente e che sicuramente vi introdurrà a questo mondo della Yolo System. Grazie ancora Laura. Se tu vuoi parlare in francese? Oh ben, c'est de toute façon, ouais, c'est un répétitif, hein, Danilo répète encore et toujours. Je me fais le porte-parole toujours, donc évidemment le discours est cohérent. Je ne veux pas changer les canons du style. Tout ça pour dire en fait que à force de recherche, à force de travail, Danilo s'est aperçu au bout de X années de travail qu'il est inutile d'apprendre des milliers de techniques. Enfin, le cerveau est un ordinateur. En plus, vous mettez des données, vous allez lui rentrer, lui tasser des millions de techniques dans la tête. Le jour où il faudra les ressortir, il ne saura plus faire. Nous, ce qu'on prône, c'est le travail vraiment sur les principes de sécurité, de comportement, d'attitude, et même corporel sur des gestes précis, vraiment de sécurité tout simplement. Et ne pas rajouter des millions de techniques, de remplir un cahier au final qui ne serviront à rien. Bien sûr, ce genre de travail, le côté répétitif de tous ces mouvements, évidemment, on en parlait, c'était pour la mémoire, qu'elle soit musculaire, corporelle, après on l'appelle un peu comme on veut. Mais surtout, sur ce sur quoi on se bat beaucoup, c'est vraiment le côté technique, et ça je le répète, que je l'écrive ou que je le dise en permanence. Nous sommes d'accord sur le sujet évidemment. C'est bien justement de ne pas gonfler un catalogue parce que finalement, au final, on s'aperçoit que s'il faut sortir quelque chose, on sort l'opposé de ce qu'on a fait pendant X années. Donc on s'est aperçu, enfin, Danilo s'est aperçu à force de travail que ce n'était pas la bonne méthode. En tout cas, c'est la méthode pour notre école. Évidemment, après chacun fait ce qu'il veut. Mais pour notre école, c'est le mode de pensée que l'on a, ce n'est pas la bonne méthode. Donc, des mouvements simples, des mouvements coordonnés, des mouvements répétitifs que, par contre qu'on va faire, refaire jusqu'à ce qu'on en vomisse s'il faut, mais il faut ingurgiter, il faut métaboliser tout cet enseignement et pas juste apprendre dans un cahier. On n'est pas des ordinateurs, on a un cerveau et on a des émotions, on a plein de choses qui ne ressortiront pas, ce n'est pas une qualité technique A plus B, attaque A, réponse B, attaque D, réponse C, c'est pas possible. La vie montre, hein, on le voit hein, dans les situations de tous les jours, des vidéos, si vous voyez, malheureusement, il y a des vidéos, enfin malheureusement, c'est instructif, donc ça sert, des vidéos d'agression, et on voit finalement que ce qui ressort, c'est des choses naturelles. Ce naturel-là, à nous de l'éduquer, et en éduquant ce naturel, par des mouvements simples et répétitifs, on arrive à avoir quelque chose qui nous sauvera la vie, qui ne fera pas nous des super-héros, mais qui nous sauvera la vie. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Je me tiens à votre disposition pour des informations complémentaires. Et...